Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la période, ce nouvel épisode de Fallout 4. Et je viens de voir qu'on a un truc dans cette direction. Donc bah écoutez, on va aller voir. On va aller aussi se mettre notre arme, la nouvelle arme là qu'on a faite. Ah, ma verrou, hop. En favori 5. Voilà. Je me trompe de bouton. Effectivement, il y a de la lumière là-bas. Hop. C'est pas cette touche-là. Larve de tic. D'accord. Viens. Viens, je te dis. Putain, j'arrive pas à la toucher. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ok. Touché, touché. Mouche bouffie, elle est là-bas. Raté. Je suis nul, hein. Je suis mauvais. Mais en même temps, il n'y a pas des masses de viseurs, là. Alors, essayons quelque chose d'autre, alors. A, D, hop. C'est pas assez. Hop. Ok, ça c'est bon. Jusque là, ça se passe plutôt bien. What the fuck? C'est plein de radiation. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y aura un vieux camion militaire, d'accord. Avec des steampacks dedans. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu devant moi, là, les deux secondes? Ça devait être Canigou. Alors. Une bâtisse. Cabane de garde forestier. Putain, c'est... Je vois pas du tout comment je pourrais être précis avec ce genre d'arme. Ok. Fausse Mori, je sais pas ce que c'est. Guide de survie des terres désolées. Cool. Bonus permanent, scène de dégâts de subi au corps à corps. Ok, cool. Vraiment génial. Holobande de la fugitive. What the fuck? Holobande de la fugitive. Qu'est-ce que ça raconte? Mmh. D'accord. Papa n'arrêtait pas de crier, de me dire que je devrais avoir honte de moi et qu'il voulait plus de moi à la maison. Maman n'a fait que pleurer. Et ça m'a encore fait plus de mal que si elle m'avait traité de tous les noms. Elle a pas dit un mot. Même quand j'ai fait mes valises. Je peux pas aller retrouver John. Il est même pas au courant. Peut-être qu'il le saura jamais. Est-ce que c'est... Elle est intouchable. Bla. C'est casse-couille. Tu es où? Maquet, tu là où le chien? Le chien là où? On va quand même se prendre un steampack. Voilà. Donc il y avait là quelqu'un. On
On va ouvrir la carte, j'ai peur de m'approcher en fait de la zone où je devrais être. Non, ça a l'air d'aller. Par contre, là, il y a clairement de la vie, hein. Et de la lumière. Entrepôt de Wicked Shipping. Putain, il y a des ghouls. Il y a des ghouls. Il y a des ghouls. Ah, un terminal avec un protectron. Génial. Pile ce qu'il me fallait. Blue. Raté. C'est pas blue. Band non plus. Done. Non plus. Able non plus. Room. Spot. Rope. Your. Non. Room. Génial. Génial. Commande de protectron. Active unité. Choisir une matrice de personnalité. Par défaut. Ok. Parfait. Activer unité. Salut! Ok, c'est cool. Ça me semble être une bonne idée. Où est-ce qu'il est allé? D'accord, il attend là. Vas-y, le chien! Aïe, putain, mais t'es nul, jeu! Quand tu veux. Alors. Caché. C'est parfait. Ok, il y a un passage par là. Qui mène à ça. C'est vrai que musicalement il est épique, hein. Je reconnais. Je reconnais, je reconnais, je reconnais. Bon. J'y suis quand même bien moins serein que... que dans d'autres jeux. Comment je me rends là-bas? Ah ah, par là, j'ai compris. Bien vu, toutou, bien vu. Désolé, madame. J'arrive quand même à descendre, j'imagine que c'est utile. Ça, par contre, ça l'est. Viseur lumineux, je vais le prendre, c'est pas grave. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Il y a un bonhomme là-haut. Avec un sac. Argent d'avant-guerre. Bonjour. Aïe. Celui-là, il se relèvera pas. Ça l'affaire, pourquoi pas. Oh, le protectron n'aura pas été d'une super grande utilité. Et je dois l'admettre, j'en suis vexé. D'accord, il t'est venu jusque là.
il y avait un coffre. Et il y a cette musique derrière. Hop. Parfait. Bon, et maintenant, on va à l'est. Putain, là, il y a de la lumière, je suis certain. Tu me diras, il y en avait là aussi, mais... What? Boum! Touché. Ok, je l'ai eu. Je l'ai pas touché là? Si, je l'ai touché là. Ok. Aïe. Ok. Ça y est. Parfait, on l'a eu. Maintenant. Et maintenant... Non, je vais pas la faire. Je ne ferai pas cette blague moisie. Putain, c'est Canigou, je l'avais pas reconnu. Nom de Dieu. Des cigarettes. Du whisky. T'as pas une seule arme? Putain. Apparemment j'ai oublié quelque chose par là. Apparemment j'y suis. Il y aurait des plans. Ferme des Abernathy. Cool. Bonjour. Les voilà. Oh, la quête de Skyrim par excellence. Ferme prospère. Ferme a l'air de marcher. On s'en sort pas mal, oui. Clara Bell nous aide bien. Ça nous fait de l'engrais gratuit, comme dirait mon père. Tant que ça économise des capsules. D'accord. Qui est Clara Bell? C'est la Brahmine, c'est ça? Clara, c'est notre Brahmine. Brahmine, d'accord. Elle fait autant partie de la famille que Maisie. D'accord. C'est notre chatte, au cas où vous poseriez aussi la question. Oui, bah si vous êtes zoophile, écoutez, c'est une Brahmine. Oui, c'est bien ce que je me disais. Le mec il pose que des questions. Capsule, capsule. Aidez. Merci, c'est sympa. Connie. Vous n'êtes pas du coin ici? Vous avez quelque chose d'intéressant à troquer. Oh, troquer. Ouais, d'accord. Ça j'aime. Pas de blague moisie là-dessus. Mes armes, non les armes, non, je les garde. Les tenues par contre, alors là je vais pouvoir en vendre un paquet. Casquette, ça je garde. Lunettes de soudage, je vais peut-être vendre mes lunettes normales et garder mes lunettes de soudage. Ah non, je vais garder mes lunettes normales, elles sont belles. Mes lunettes normales, elles sont belles. Hop. Maillot de corps et jean, je vends. Robe rose, robe verte, sous-vêtements. Tenue de géomètre, toutes ces tenues-là, je vais les garder. Hop, mes soins. Ah, mes soins. Radix. Ah, elle prend pas la drogue. Intéressant. Ok, mais divers. Rob Coffin. Non, je vais pas les vendre, ces trucs-là. T'es fou. Mon bric-à-brac non plus. Arme de fortune. Canon court. Nanana. Ça, c'est tous les modes, d'accord. Mes munitions. Et donc au niveau des armes que j'ai, que je ne peux pas, ou que je ne souhaite pas, ça dépend comment je veux le faire en fait. Donc vendre déjà tout ça. Vendre quoi là? J'ai vendu quoi là? Non, ça je garde. J'aimerais juste accepter. Voilà. Confirmer l'échange. Merci.
Oula, non. On se calme. Mon pote. Hey. Échanger. Qu'est-ce que t'as sur toi que je peux récupérer? Baïonnette, nanana. Bandana, nanana, plastron de pillard, plastron de cuir, tenue de nomade. Alors j'ai cru voir un truc de commande. Ok, non, bon, bah laisse tomber. Bonjour. J'espère que vous serez en mesure de nous aider. Hey. Vous voulez faire affaire? Oui. Ok. Pourquoi pas? Alors, au niveau de mes armes. Hop. Au niveau de mes tenues, nanana. Harnais, voilà. Masque à gaz, plastron de pillard, voilà, plastron en cuir. Ok. Ok. La pâté pour chien, c'est mort, je la donne pas. Hop. Voilà. Est-ce que là, niveau emplacement, je suis bon? Non, toujours pas. Putain. Je suis à combien? Beaucoup trop. Faudrait que je pense à le faire quand on... Canigou. Viens me voir. Hey. Canigou, viens là. Par ici. Attendez là. Hop. Voilà, faut que je donne des trucs. Hop. Déjà ça. Et ça. Voilà. Bon. Hey. Commandez. Rien du tout. Y a pas un truc pour modifier son armement ici? J'aurais surkiffé. Pas voler les munitions. On va appeler ça comme ça, oui, effectivement. Une montre high-tech. Elle parle de mon Pip-Boy, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Oh, qu'est-ce que c'est, un pot de peinture. Donc ça, à foutre que de repeindre. Mais c'est que c'est sympa ici, en plus, eh. Bon. Là-bas, il y a un truc bizarre. Allons voir. Reprendre ça. Hop. J'ai vu un truc passer. Pas vous? J'espère que c'était le chien. La gueule, j'ai vu un truc passer, j'aime pas. J'aime pas ça. Bon, c'est peut-être dans ma tête, hein. Après tout, c'est peut-être dans ma tête. Atelier de chimie. Ah bah attendez, peut-être qu'on va trouver ce qu'on cherche. Atelier, ah oui, il y a le chat. Ok, vous n'avez aucune alliance avec cette communauté. Bah écoute, je peux te ramasser tes melons. Ça serait con, ça. Ce serait vraiment con si ça arrivait. Ne serait-ce que coincé à l'intérieur. Bon, les filles. Essayez plutôt la ferme des Warwick. Vous voulez acheter ou vendre quelque chose? Peut-être. Peut-être plus tard. Vous changez d'avis, faites-moi signe. Ok, ils sont très bizarres. Alors, j'ai quand même l'impression qu'en fait, ceux-ci, c'est des filles, et ça marche qu'avec le personnage, le protagoniste féminin. Et l'inverse pour le... Hop, on va voir si ça les rend plus amicaux, parce que je leur donne des trucs. Tenez. Mademoiselle Abernathy. Vous venez chercher les capsules pour les melons que vous avez ramassés. Tout à fait, vendre des melons. Ouais.
Tiens, les voilà. Super, merci de votre aide. 27 capsules pour 9 melons, génial. Génial, génial. Bon, c'est pas épique, mais c'est toujours ça de prix. Quelque chose là, je rêve pas. Ok, c'est de la saloperie, hein. Ça, il y en a une deuxième, merde. Raté. Bla bourrage. Ok. Franchement, j'ai aucune idée de comment ça marche. Autant être franc avec vous, j'en ai vraiment foutre couille aucune idée. Donc là, c'est rien en fait. Ah si, quand même. Il y a 2-3 trucs en fait. Pourquoi pas. Et là on vient à là où on était tout à l'heure. Il y a un trou ici. Oh. Il y a un trou. Où est-ce que ça mène? Oula. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un simple rataupe. Sale bête. Putain, il bouffait un chien, quoi. La gueule. Bah oui, mon pauvre petit père, il bouffait un comme toi. Il bouffait un comme toi, la gueule. C'est que ce bordel. Récompense d'éco champion. Monsieur Benson, non, non, l'antenne, non, 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 non. D'accord. Réacteur à fusion. D'accord, ok, cool. Content de l'avoir vu celui-là. Vous voyez comme moi ici? Je pense que si on sort et qu'on recharge. Tenez. Tenez, 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 tenez. Heureusement qu'on fait gaffe, hein. Arme de... What? Fortune, peut-être pistolet, sans doute. Ok. J'ai trouvé un fémur, apparemment. Et maintenant, continuons. Bouffe-le! Nom de Dieu! Un rataupe bizarre! Il a du matériau nucléaire sur lui, le pauvre. Un coffre-fort. Ah putain! Hop! Parfait! D'accord, liquide de coupe, mine, bon, on va tout prendre, parfait ça. Hop. Génial. Bon, bah encore un truc qu'on a découvert. Qu'on a réussi de manière plus ou moins correcte. Soyons honnêtes. On l'a même assez bien réussi. Cool. Je suis content de l'avoir trouvé ce truc là. Donc il y a des choses qui apparaissent pas forcément sur la map. C'est bon à savoir.
C'est même très très bon à savoir. Poste d'armure. Non, c'était là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc ça, recyclé. Voilà. Point américain, pareil. Matraque, pareil. Non. Ça aussi. Mousquet laser. La roulette laser. Hop, voilà. Maintenant, hop, on quitte. On va voir ce qu'il a sur l'autre. Bah, où tu es? Canigou? Viens-tu? Eh bien. Est-ce que tu vas me trouver encore? Attention. Donne-moi ce que t'as sur toi. Je sais bien que c'est pas du tout ce que t'as envie de faire, mais quand même, donne-moi ce que t'as sur toi. Je sais pas s'il renifle par là, ce trou du cul, mais... Sûrement quelque chose de... pas génial, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, par contre, on y va pas très rapidement. Hein. Oh nom de Dieu. Hop. Peut-être planter de boutons. Hop, voilà. Parfait. La rouille, ça dérouille. Hop. D'accord, effectivement, ça a l'air balèze. Hein. Alors, si je prends ça... D'accord. Ok, un triple canon. Bah oui, bah tant qu'à faire. Écoute. Ça, je vais le garder, par contre, je vais le modifier. Ça, je le vire. Hop. Modifier. Alors, canon. Canoncier. Canon long. Portée excellente. Réduit, recul réduit, dispersion étroite. Standard. Hop, on part là-dessus. Ça me semble pas trop mal. Culasse. Culasse puissante. Parfait. Crosse courte. Crosse complète, j'ai pas ce qu'il faut, il faut le rang 2. Pourquoi pas. Viseur. J'ai pas envie d'un viseur. Matériau nucléaire en plus. D'accord. Frein de bouche. D'accord. Non mais jusque là il est pas trop mal ce fusil. On va l'appeler... on va l'appeler double tape. Et lui on va l'appeler... ta tête. Dans le viseur. Ok. Canigou. Attention. Tiens. Attends. Hop. On va lui donner le minigun. Et on va lui donner aussi. On va lui donner aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en trop? Hop. Voilà. Parfait. Bon, de ce côté-là, on règle un petit peu nos problèmes et nos affaires. C'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire maintenant, peut-être, c'est se diriger vers bah, la zone de mission, tout simplement. Donc on y va. Hop. C'est parti. Au niveau des armes qu'on a prises, par contre, on va essayer d'en mettre une. Hop. Roulette laser, on l'a déjà. La tête dans le viseur aussi. Double tape. J'aimerais le mettre en 6. Je me trompe de bouton. 6.
Le voilà. Voilà une belle arme. Indubitablement. Qu'est-ce qu'on a par là? D'accord, oui, je reconnais. Je reconnais. Bon. Est-ce qu'on a un autre bâtiment visitable dans la région? Et j'emploie le terme région juste pour faire genre. Là. Bar clandestin de Concorde. D'accord. Est-ce qu'il y a de la vie dedans? Ah, il y en a eu en tout cas. Il y a eu de la vie, par contre maintenant il n'y en a plus des masses. Épingle à cheveux, écoute, je vais la prendre. La toque de cuisiner en soi ne m'intéresse pas. Kiosque à journaux vide, malheureusement. Des bols en plastique, un coffre. Avancé. Très utile de le mettre en avancé, dis donc. Revolver de fortune, intéressant. Intéressant. D'accord. Je m'attendais pas à ça, je l'avoue. Par ici, on a quoi? Oh oh. Une cave. Hop. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est bien de me montrer des choses, mais il n'y avait rien à montrer en fait. Ok, il n'y avait rien à montrer, c'est cool, merci, merci le chien. Bon, et à l'étage, il y avait quoi? Il n'y avait rien dans les scripteurs de cigarettes, c'est con. Porte avancée, ah ah. Voilà. Costume beige propre. Ok. Fusil de chasse, compact. Fusil de chasse, c'est pas ce que j'ai. Soyons d'accord. Arme. X. C'est pas ce que j'ai. Ouh. Ouh ouh ouh. Tiens, Canigou. Hop, ouvre la bouche. T'as raison. Les tenues, le costume, je te le donne. Ça aussi. Je te remercie. Je prends les cartouches, je prendrai pas le flingue, c'est pas grave. On va visiter le reste. Hop. Rien qui ne me semble énormément intéressant. Merde, j'ai pas vu que c'était Commonwealth. Merde. Du coup, je vais atterrir à l'extérieur. C'est bien ça? Au niveau d'un balcon, j'imagine. Ah oui, c'est vraiment au niveau d'un balcon, littéralement. Pourquoi pas? Hop! Alors, qu'avons-nous là? Un truc très bizarre. Un truc encore plus bizarre. À vrai dire, je sais pas trop ce que je devrais y comprendre. Aucune idée. Puis je vais même pas réfléchir plus longtemps à ce sujet-là parce que c'était vraiment trop bizarre. On va redescendre. Parfait. Commonwealth. Et je dois vous avouer que j'ai carrément hâte de monter pour aller chercher le... Pour aller voir si je peux pas améliorer, transformer le fusil de chasse en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose dans la ville qui soit visitable? Alors, regardons droite à gauche quand même. Soyons observateurs. Kenny, a trouvé quelque chose? Je te suis. Ah oui, effectivement, c'est visitable ça. Tu as trouvé un coffre-fort. Bien joué! Mince, alors on va réussir à l'ouvrir, oui. Ah mince. Voilà. Brosse à cheveux de luxe.
Ouh, tout ce luxe. Un trou du cul ici avec une arme. Fusil de précision ? Il avait un sniper, le sac. Il avait un sniper, le sac. What ? Est-ce que j'ai récupéré des Radaway ? Oui, parfait. Parce que dans ce cas-là, je vais pouvoir manger un peu plus, je pense. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on est toujours en surcharge ? Oui. Canigou ! Alors, je te donne ça. Et ça. Hop. Redescendons. Ok. Oh putain, mais Starman me fout les boules quand je la vois de loin. Quand t'as le malheur de la voir de loin, mais t'as les boules, quoi. Alors là, on a un bâtiment en ruine. Je ne suis pas encore allé dedans. Je crois. Hop. Techniquement, si, j'étais déjà allé dedans. Hop. Et si on part de l'autre côté, est-ce qu'on va tomber sur quelque chose ou pas? L'église d'ailleurs, tu sais, on n'est pas allé, pourtant on aurait dû. Qu'est-ce que je suis con? Ah, t'auras prié jusqu'au bout, avec ta chérie. Alors. Bonjour monsieur, Manuel Brûlé, dommage. Alors, il y a de quoi monter, j'imagine, voilà. Arme de fortune, fusil. Un coffre-fort expert. Incroyable. Tout bonnement incroyable. Hop. Rien du tout, d'accord, pourquoi pas. Et en haut du clocher, normalement, rien du tout non plus. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Cas, cette ville est vraiment vraiment bien réalisée en fait au niveau de son de sa densité et de sa façon d'être mise en place. Alors, redescendons, parfait. Hop. J'aurais presque pu croire qu'elle était ouvrable celle-là, mais bon, c'est pas grave. Alors. Est-ce qu'on en a une dernière dans le coin? Même pas. Bon. Alors, sur la carte. Apparemment, on s'y dirige. Bon. Un vendeur ambulant. Salut l'ami. Excusez-moi. Alors c'est quoi votre histoire? Vous êtes là pour faire du troc? Dépouiller? Ou juste me demander le chemin de Diamond City? Menacé. Donnez-moi tout votre argent. Tout de suite. Moi! Ah! Ah! Carla. Ah! La crapule. J'ai déjà payé. Alors tirez-vous. Quand on s'appelle Carla l'ordure. Salut, Carla. Ah. La crapule. Ouais, la crapule, comme tu dis.
Ouais. Hop, on n'y est pas encore. On avait un marché, Trudy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Voilà. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon ? Vous de ce qui vous regarde. Baissez votre arme. M'agitez ce flingue sous le nez, sinon je vous assure que ça va me regarder très directement. Et bon, pas la peine de s'énerver. On va baisser nos armes. Et vous, pas de coup fourré. Hein. Demandez de l'argent. Donnez-moi tout votre argent. Allez. On se calme, d'accord ? Tenez, voilà tout ce que j'ai. Tirez-vous. Foutez-moi le camp, tous les deux. Sans déconner. Bon, d'accord, on s'en va. J'ai vraiment pas de bol. Non, t'as pas de bol, tu te casses. Yo. Excusez-moi. J'arrive pas à croire que vous avez fait fuir cette petite ordure. Tenez. Parfait. Troqué. Voyons ce que vous avez. Vous en aurez pour votre argent. Level up. Alors, bidon d'antigel. D'accord, plein de trucs quoi. Tu as absolument plein de trucs. Vengeance du général Chao. Seriously? T'as une arme unique. Ok. Rien que ça. Tu as une arme unique. Bah écoute, GG. Brassard en cuir, ouais, chapka, non. Ok, t'as juste une arme unique, c'est juste incroyable. Mais bon, c'est pas grave, pourquoi pas. Bien, Patrick. Salut. On a un level up. Non. J'ai dit on a un level up. T. Alors, normalement. Au niveau du chef local. Voilà. Je pourrais en rajouter un au prochain niveau. Ok. J'ai pas vous piquer vos trucs, n'inquiétez pas. Par contre, on va se retéper du coup. Chez nous. Attends qu'on s'est un petit peu approché, vous voyez, faut qu'on aille là, on a fait la moitié du chemin. Et on va aller voir ce qu'on peut faire. On va aller voir ce qu'on peut faire. Déjà niveau 8, ça avance bien quand même. Hein. Hop. Falloir qu'on mette un niveau de dégâts, un truc de dégâts aussi amélioré, parce que sinon on va pas faire suffisamment de dégâts aux ennemis. Mais bon, ça on reverra. Hop. Fusil de précision, quoi, quand même. Modifié. Ok, encore une fois, ce canon-là serait très très bien. Après, j'ai déjà un canon long. Pas besoin de m'embêter avec. Double tap, est-ce que je peux t'améliorer, toi? Cross complète, il me faut quoi? Ah oui, le niveau 2 de fanat d'armes. Putain. Lunette moyenne. Culasse standard, on va mettre une culasse qui fasse plus de dégâts. Ok. Cross. Ok. C'est parfait. Et je crois qu'on a notre premier fusil de sniper, chers amis. Faudra qu'on lui mette un silencieux au bout, par contre. Fanat d'armes. Rang 2. D'accord. Non, annulé. J'aimerais remodifier le nom. Et fusil de chasse aussi, celui-là aussi, il faut que je le modifie. Donc celui-là. Sniper à tête qui rouille. Tête qui rouille, n'amale pas mousse. Modifié. Culasse standard.
Il manque de l'aluminium. D'accord. Canon court, canon long, léger, canon léger à ouvert. Ouh, il est gros celui-là, ce canon. Ok, on prend ça. Faudra qu'on prenne ça aussi. Chargeur. Ok. Toujours ça de prix. Il faudra aussi un silencieux sur celui-là. Modifier. Merde. Comment il s'appelle? Fusil de précision, voilà. Sniper en devenir. Voilà! Bon! Ça progresse, ça progresse. Au niveau des armes, on va peut-être aller en mettre quelques-unes en... Hop. Q, il faudrait que j'en mette une en 7. Voilà. Crac. Maintenant, est-ce que je peux pas remplir quelque chose là-dedans? Est-ce que je peux pas faire un conteneur? Structure, mobilier, chaise, rangement. Ok. Ok, parfait, je l'ai fabriqué, je l'ai posé là. Il y en avait une à côté, c'est pas grave. Transfert. Hop. Voilà. Là-dedans, je vais garder tout. Là-dedans aussi. Mine à fragmentation, je vais les laisser. Et déjà, ça de prix en moins, c'est cool. C'est cool. Bon! Bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.